besoin d'attendre l'hiver pour admirer des boules à neige. On va apprendre à en réaliser de très originales pour les enfants. Pour cela, il vous faut des bocaux, des paillettes, des figurines, de la colle étanche, de la glycérine et de l'eau. On attrape les bocaux et on garde pour l'instant uniquement les couvercles. Ce sont eux qui vont servir de support aux figurines. D'ailleurs, en parlant de figurines, soyez audacieux. Choisissez-en de plusieurs tailles et venant d'univers différents, ou laissez carrément choisir vos enfants. Enduisez leur base de colle étanche, type colle pour mosaïque. Et posez-les à l'intérieur des couvercles. On laisse ensuite sécher au moins 2 bonnes heures. Pendant ce temps, on prépare l'intérieur des bocaux. Déposez des paillettes dans le fond, mélangez 2 à 3 couleurs, pas plus. Vous pouvez mettre aussi des paillettes de différentes tailles. On verse ensuite de l'eau par-dessus et on ajoute 2 à 3 cuillères de glycérine pour que les paillettes restent plus longtemps en suspension. Petite info, j'ai acheté ma glycérine en pharmacie. Les figurines sont bien sèches, alors prenez vos couvercles et insérez-les dans les pots. Si ça déborde, pas de panique, il faut que les bocaux soient bien pleins. Vissez bien pour que la boule soit parfaitement étanche. Voilà, c'est terminé, il suffit de secouer et de regarder les paillettes voler. Les petits vont adorer. Maintenant que vous savez comment les fabriquer, c'est à vous de jouer !